C'est un centre pour une nouvelle aventure. Une aventure enfin attendue pour moi d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle série sur Pokémon XD. La première série de Pokémon. C'est pas la première série escomptée, mais ça reste que c'est une série quand même. J'avais prévu faire une série sur un autre jeu Pokémon, une aventure Pokémon sur quoi, sur DS. Juste pour vous dire. Je vous range pas plus que ça. Pokémon XD Gold Offer Darkness est un jeu Pokémon sur console. Oui. Sachez qu'il y a sur la Nintendo 64. C'est quoi déjà? Pokémon Stadium 1 et 2. La 1. Qui est les 151 Pokémon de la... Non, uniquement, qui est uniquement la première génération. Et la deuxième, ça inclut la deuxième génération aussi. Ils ont pas continué comme ça. Ça, c'est sûr. Ils ont pas continué pas en tête. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent, c'est pas nous qui a le contrôle. Mais pourquoi? Il y a eu une annonce Pokémon de 1 pour vous annoncer que je vais faire ça, mais aussi pour une autre raison. Parce que la raison qu'on pourrait dire principale, le pourquoi que, parce que vous savez, j'ai réussi à capturer l'écran de mes consoles, peu importe le périphérique, bien évidemment. En autant que le périphérique RCA, là je suis sur ma GameCube. Je suis pas sur un émulateur, juste pour vous dire, ce n'est pas un émulateur. C'est vraiment ma GameCube, littéralement. Je joue avec ma manette GameCube et non mon clavier, juste pour vous dire. En ce moment, c'est l'audio de... Bon, vous avez pu voir, c'est pas là-dessus que je regarde, là, c'est sur mon écran principal, là, je peux vous dire. J'enregistre OBS, mais c'est capture de jeu, littéralement. Une capture de jeu. Avec ma G5 Quaid. Ceci, c'est un jeu uniquement, comme je disais, sur GameCube. Qui est comme un jeu... C'est une aventure. Comme que je pourrais dire, mais ce n'est pas une aventure comme que vous la connaissez nécessairement, c'est une aventure autre que vous allez découvrir, que vous allez découvrir. Sachez que je jouais ça quand j'étais jeune, puis j'ai jamais avancé. Vous savez, c'est en anglais, j'ai juste jamais avancé. Puis l'option ne me permet pas de changer de lance, c'est les options audio uniquement. Que voulez-vous? Dans le fond, c'est une aventure comme Pokémon, peu importe, on va dire Galar, on va dire. Mais t'as pas les entre les villes ou villages. Si je peux vous dire. T'as une histoire, c'est sûr. Okay, c'est là je vais vous expliquer. Bon, on va recommencer une nouvelle partie. Saving and during a new game will delete the current save file and the memory card. Ce que je veux dire, ça veut dire que mon ancienne sauvegarde sera supprimée. Allons-y. Son nom, c'est David ou Adam. Mon nom, c'est Champion. De repos. Marin. Quelle aventure commence? Un peu, justement. Sérieux?
viens de le voir. X. Ah, Hyper. X. Ah. Ouais. Mais là, c'est vrai. Allons-y. Maintenant. Ou que oui, marin est mon nom. J'avoue que j'avais oublié qu'il y avait un petit combat avant. Ok, moi je suis Salamence. Armquake. Dragon Dance. Je suis malade. Je connais pas les noms des attaques en anglais, j'ai que des jeux en français. En France, je suis Pokémon en Salamence, ça c'est bon. Et Metagross. Metagross son nom. Dragon Dance, c'est quoi ça? Danse Dragon, je sais c'est ça, mais on va essayer, et c'est erreur. Ah, je pense que je vais rester avec ça. Oh, ça fait quand même mal, on s'entend? Et voilà, facile. Un petit aperçu, tout simplement. Pourquoi pas? Et voilà, c'est pas formidable ceci? Alright, Marin. This will do for today. C'est très long, hein? Yes, sir! Takwal was a wild player battle. Marin, you battle Scar have improved behind everything among. Qu'est-ce que j'ai rien compris? Harman, it was a impressive the way you handled. Pour ce dialogue, j'arrête de parler en anglais. Tac, big Pokémon, wild aplomb. Les gros Pokémon, ok. You took command of. Look, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que regarde. Took. Pas look, took. Pour il a. Si. Il where qui de son same chez Genevi. Ça je sais. Don't you think it time talk you consider racing other Pokemon beside your Eevee. Ouais, j'arrête de parler en anglais. Oh, c'est compliqué. Ça, c'est pas la première fois que j'ai une bon, série faut dire vite, mais une vidéo ou que c'est en anglais. Youtuber, un des jeux de YouTube, un des simulateurs YouTube, si vous vous rappelez bien.
Bon, sachez que... Ça a l'air peu... La technique là pour pas... Ça c'est pour toutes les Pokémon, les jeux Pokémon. C'est de faire B. Tu parles le dialogue puis tu fais B. Sauf pour se soigner qu'il faut faire A. Donc si vous voulez maintenir le A, vous pouvez s'occuper tout le temps sur le A. Ouais. Elle fait partie de ceci. Toujours sur A, après ça toujours sur B là. Pour être sûr de pouvoir repartir le dialogue. Un train. Dans le fond, ceci. C'est. On a plusieurs combats qu'on peut effectuer. C'est, nous, on a un Pokémon. Puis on peut combat dans une arène. Comme que vous avez pu voir en début de. Au début. Mais la seule différence, c'est que j'ai déjà fait au complet. Puis. Un, c'est avec Magikarp que j'ai. Comment tu veux gagner avec un Magikarp? À moins qu'il évolue en Gyarados, ça c'est pas super, mais sinon, comment tu veux? Ça, je le sais pas. Mais non, on veut pas aller là parce que. On a des choses à faire, hein. On va aller voir les autres, là. C'est là qu'il fallait aller. Salut, t'as fini de t'entraîner? Je suis directrice office. Elle est directrice simplement. Désolé si j'ai accroché le micro. Ah non, c'est vrai. Bah, désolé si j'ai accroché le micro. C'est une visite du professeur Crane. Je vous laisse comprendre si vous comprenez parce que je vous dis il n'y aura aucune traduction. Je vous le garantis. Je ne ferai pas de traduction pour ceci. Ça me tente pas de traduire tout parce que ça va être bien trop long. Au secours! Bataille, quoi? Pourquoi on parle de pas grand chose? Avoir une chance de faire pourquoi? Puis rien de plus. Bon. Ok, elle me révèle de quoi? D'avant? Ce que je comprends, mais... Ah, ça veut dire que je pourrais en anglais. Hein? Je veux bien essayer de je comprends mieux l'anglais écrit que l'oral, c'est encore pire. Je comprends juste rien. Pas tout, zéro. Quand c'est qu'au moins l'écrit, je suis capable de un peu comprendre. C'est sûr que je suis visé, c'est peut-être ça qui m'aide un peu, mais sinon... Mais... Bah, tu sais, mais là... Ok, Marie, toi, at to bother you. C'est ça, vous mais quelque chose pour toi, Finn, je sais pas, va sûrement voir je vis pour moi. Et merci beaucoup. Mais. Verra le feu pour
une affaire critique dans le laboratoire. Faut toujours faire oui là, au début. Désolé. Longtemps. Longues années. 5 longues années. After, c'est quoi ça? Après 5 longues années, le projet est fini. On le together, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Mais pour mais c'est une expertise. Oh oui, le poda. Ok. Dans votre salle, marin, allez regarder ça. Mais le poda sans pour Pokémon Digital Assistance est vraiment bien. Un appareil électronique vraiment bien, en gros. À Poda ou Pada ou Poda, je sais même pas c'est quoi ça, l'étoile veut dire quoi exactement. C'est facile. Comme vous pouvez voir, j'ai un Eevee de niveau 10. Non, pas niveau 5. 10. Ok, je l'ai pas encore. Mais c'est vraiment ça, là. Ça a pris des années avant que je puisse y aller. Et elle pouvait savoir comment me débloquer. Vous voyez c'est cette personne-là? C'est la personne qu'il faut aller voir pour avancer dans le jeu. C'est quand t'es jeune puis tu comprends point d'anglais. Bah c'est sûr que on pourrait voir ça, mais j'ai tellement pas vu. Ah, vous jure. Ah, ce que c'est découragé la première fois. Depuis le début, j'aurais pu me rendre bien plus loin encore depuis longtemps. Mais j'ai comme l'affaire, c'est que c'est moi qui l'ai acheté dans un affaire de vidéo pour les choses Vidéotron. Puis je me souviens plus si c'est moi qui l'ai acheté ou c'est mon père qui me l'a payé, je me souviens plus. Mais j'ai choisi ce jeu là et je l'ai regretté d'avoir choisi ça et non autre chose. Puis maintenant, je le regrette pas. Je suis bien content d'avoir réussi à. C'est pas la même affaire que l'autre. Bon, au moins, ça évite le. Comme on le sait, monter l'expérience. Ou le, autrement dit, le farming. Hein, de Pokémon. Marin. Vous, c'est une jeu vu. Mais je vu, c'est. Ah, c'est plus tard. Oh. Ah, c'est plus tard. Une nouvelle. Autorisée, tout le. Les autorités ont. Failed, c'est. Échoué. Ont échoué avec un cargo. Navire cargo SS SOS probablement. Il est jeune disparaît of the gorge get. Comme je disais, je vous laisse lire Numerous Pokémon. Bon.
sachez que c'est Lugia forme primale, juste pour vous dire. C'est quoi ça? Oui, j'aurais je m'en aller là après. Ah, pour le poudre. Trois potions. Vous montrer le poda. Ok, c'est les 5000 poké dollars qui vont me servir à je ne sais trop quoi. Littéralement, j'en ai aucune idée à quoi ça va me servir. La monnaie là-dedans. Je me suis rendu plus loin, je peux vous dire. Je vous dis, je sais même pas à quoi ça va servir. Je suis rendu quand même plus loin là. C'est pas mal ça qu'on va retrouver les déplacements. C'est dans le fond, dès que tu quittes la zone, on rentre dans cette carte là pour pouvoir se déplacer d'une place à une autre. C'est bel et bien là, fallait que je fasse trouve toutes les affaires avant d'aller le voir dans le fond. Maintenant que c'est la chose, fait. Juste quelques petites affaires à aller chercher. Quelques Pokéballs qui sont un peu carrés. Des antidotes que j'ai jamais, là, comme dans mes habitudes, que je ne sais jamais. Sûrement on peut acheter des antidotes, mais j'ai comme jamais utilisé d'antidotes tout court. Et voilà, nous quittons la zone. Voici à quoi ressemblent les déplacements. Inquiétez-vous pas, ça passe assez rapidement, semi-rapidement, je sais pas comment, quelle façon tu vois ça, mais l'histoire jusqu'à date, d'une zone à l'autre, ça pour débloquer, ça se force rapidement, mais pour me rendre là, ça m'a pris je ne sais trop combien d'années pour réussir à me rendre jusqu'ici, littéralement. J'étais jeune, ça m'a pris je ne sais trop combien d'années jusqu'à maintenant, qui est maintenant, pour réussir à me débloquer. J'ai jamais, mon grand, jamais réussi à m'y rendre ici. C'est juste à partir de il y a peu de temps que j'ai réussi. Juste pour vous dire. Que voulez-vous? Alors, on y va. Parce que ici, on va voir de quoi d'intéressant. Le docteur Kamenko.
J'aurais compris de toute façon, mais il veut qu'on fasse un petit combat. Pokémon. Qui voulez-vous? Sunken. C'est quand même une certaine expérience. Déjà, il est presque au niveau 11. Contre le niveau 5, on s'entend. Bon, je sais plus c'est quoi les attaques, pour être honnête avec vous. En tout cas, je fais Google Traduction. Littéralement. Oh, pour le peu de vue que tu vas me voler. Ça me fait pas grand chose. Ok, ça, ça va être enlevé. Assez rapidement. Je vais faire des tests. C'est le double de lui. Son attaque, c'est quoi? Ceci aussi va être enlevé. Celle-là est gardée. Celui de gauche en gardé. Celui de droite enlevé. Puis laissez-moi deviner en quoi je veux le faire évoluer. Sachez que ceci est la saison. La troisième génération. La première, deuxième et troisième génération. Ce qui veut dire. J'ai 5 choix d'évolution. À moins que. Quand c'est Glaceon puis la Fion, je suis pas sûr si c'est en 3ème génération ou en 4ème génération. J'ai comme un doute. C'est 3ème ou 4ème génération. Tu sais, la 3ème, 4ème génération, c'est les générations que je connais le moins. Littéralement, quand je me manquais un bot. J'ai connu un peu la 2ème génération. Du cartas, ça je m'en souviens très bien depuis. Très bien. C'est bien le seul que je me souviens. Le cas c'est jeune là, je parle. C'est bien le seul que je me souviens de la... qui est de la deuxième génération. Togepi est dans la première saison, ça compte pas. Qui est disposé dans deuxième génération. Ouais. Bah, c'est pas mieux, mais première émission, première qui est de la deuxième génération, hein, puis on le voit dans la première. Encore pire. C'est une légendaire. C'était sûrement pas prévu. Il était sûrement prévu. Peut-être comme peut-être 3 ou 4 légendaires. 4 ou 5 légendaires pour la première génération et non 3. Peut-être. Bah peut-être plutôt 4 légendaires parce que dans la première, c'est sûr, des lunettes que... Oh, on se posera pas de questions. C'est vrai, quelqu'un qui a un H va parle du professeur professeur Oak, il y a 4 Pokémon, dont les 3 légendaires qu'on connaît plus Ouais. Comme je dis, je ne lirai point. Bon, je vais peut-être lire, mais pas plus que ça. C'est je vis. Oh, grand frère. Oh, c'est ma soeur. Ou ma soeur dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a pas d'autres. À moins qu'il y en ait d'autres. Soeur ou frère ou soeur, mais je pense que c'est son unique soeur. Peu importe, vous me comprenez. Salut grand frère! Qu'est-ce que tu fais ici? Je sors ma soeur qui dit. J'essaie de pas comprendre, hein.
Luke, je pensais regarder si je me trompe pas. Took, absolument aucune idée. Regardez. C'est comme sinistre. Elle arrive. Ah, c'est tout joyeux. Affecté. Ok. Ah, il y a une invention là-dedans, là, ce que qu'on peut voir par un mot. HQ Lab. Laboratoire HQ. Peut-être ça va être long, mais je m'en fous, c'est la première. Suis-moi! Si vous voulez me suivre dans mon mésaventure, vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Follow, ça faisait suivre. Mais on utilise s'abonner même si suivre. Je dis ça de même. Parce qu'il le dit. Parce que je fais jamais ça, tu remets les vidéos juste à la fin. T'inquiète ça. Invention de Dr. Kaminko. On va dire en même temps. L'invention Chauvin est plein pour admiration. Pas de les. Je vais te prendre un coup de fatigue quand il faudrait que j'aille me coucher, mais j'y vais pas tout de suite. Même si demain je travaille. C'est lui le docteur Kaminko? Ok, Kaminkos. Ok, j'arrête d'essayer de prononcer les S en anglais. Chose que les S. Sont prononçables. C'est pas ma corvo ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est quoi je vais faire. Ok. Je suis cul, lui. Le laboratoire HQ. Pas pire, celle-là. Je laisse au moins le temps de mettre sur pause. Ah, ben c'est plus de son nom. Ah, j'ai de la misère avec leur nom. Plus. Ici c'est plus et moins, lui c'est moins. Mais ah, on sait plus. Troisième génération, ça veut dire. Kaminko, incidentally. Ça veut dire quoi, incidentally? Ah, ok, fallait parler à je vis. Un frère, c'est le fun. Les détails réels de réels de machine. Ok, c'est très dur ça. C'est n'importe quoi que je suis. On peut tant qu'à dire n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi ou presque. Allons à la maison, grand frère.
Mais toi, tu vas juste pour y aller. Viens-t'en, maintenant! Je vis. Ok. Mais faut que j'aille à la maison. Il va falloir que... Mimi. Mais ne dis même pas le nom du Pokémon. Non. C'est juste Mimi. Je peux pas l'avoir par hasard. Qu'est-ce que c'est son Pokémon? J'avais vu... C'était plus tard, docteur. Ouais. Ok, elle me suit. C'est vrai, à partir de maintenant, elle va me suivre. Crâne. Yes. Je suis supposé avoir quoi ici, par contre? Ah, t'as eu un message, un courriel du professeur? Plutôt un message et non un courriel. C'est pas la même affaire, hein, un courriel puis un message. Ben, malgré que... Ouais, c'est un courriel. C'est rien dit. Il faut y aller maintenant. Oh, salut, mamie. Oh, sa mère. C'est maman. Je suis revenu. Oh, je vis. Ouais. Inquiétez-vous pas. Elle va me suivre, ma soeur. Elle me suit tout le temps. Je sais pas jusqu'à quand. Jusqu'à où. Mais elle me suit tout le temps. Et il est pas là, Dr. Crane. Il est où? Ah, il serait-tu là? Ben oui, faut que j'aille là. Salut, marin! Dommage que je sois à la fois fatigué et ne pas comprendre l'anglais. Quand j'ai dit, j'avais dit tout à l'heure que j'ai eu pogné un coup de fatigue, c'est je vous gagne pas. Oh, j'ai pogné un machin coup de fatigue, du coup. C'est le temps de me coucher. Oh. Ok, cette machine-là. Disons que je pensais que c'est... Comment dire? Que c'était pas son bras, mais je viens de réaliser que c'est... Il y a son bras, et juste une machine avec. Ah.
Elle veut pas reparquer. C'est que je crois que c'est là que je la remarque, mon dieu. Merci pour les Pokéball, mais à quoi ça me servait si je rencontre aucun Pokémon? Je me pose cette question en ce moment. Pas juste là, mais... Je me posais cette question. Que se passe-t-il? Ok, c'est ces affaires-là. Un petit combat à propos. Elle pas pire la musique quand même. Ah t'es dur ça. Justement c'est ça la machine à quoi ça, c'est voir l'aura de ceci. Les Pokémon Shadow, c'est quoi déjà? Hein? Tu veux que j'utilise le Pokéball? Ok, damn. Ce que je capture des Pokémon, de ça, puis ça fait pas des années de ça. Je peux capturer des Pokémon de même. Ok, pas rien. Je savais quand j'avais un Tedurcia. Je m'en souviens même plus. Je vais attendre d'avoir le Tedurcia. Si je pouvais capturer n'importe quel Pokémon, t'es en train de me dire. Oh. C'est bon à savoir. Oh, je vais faire le test. De toute façon, j'ai rien à perdre. Puis là, l'objectif c'est de... aller libérer le professeur. Qui va nous rendre sûrement jusqu'à Lugia forme primale. Grand érudit scientifique, c'est quelque chose. Plus de connaissances à obtenir. Marin, le Tedurcia a capturé un œuf. Purifie Chamber complète. Le Pokémon des ténèbres, je pense. Pas de l'ombre, je pense que Shadow c'est ombre.
faut faire la recherche. C'est tout. Sachez que ceux-là, ces Pokémon-là, sont plus puissants que les autres. Ouais. Faut les arrêter maintenant. Pour finir le projet. Ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que moi, je suis bien content de commencer, de recommencer, ok. J'aurais pu quasiment aimé mieux de ne pas le recommencer, mais je suis bien content de recommencer en... pas sûr. Parfait, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je suis bien content de recommencer cette nouvelle série de Pokémon. Enfin, une série Pokémon autre que Poké-Theory qui va recommencer. Sachant que je suis pas abandonné, c'est moi qui ne s'entends pas de travailler là-dessus, tout simplement. Parce que j'ai plusieurs autres théories déjà en attente depuis même depuis une petite. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de SF Futurejour, aussi sur Facebook, Twitter ou encore les visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Faites toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Pokémon XD. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.